Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont en ligne. Je salue chacun de vous. Amen. J'avais voulu parler ce matin de Marc 16. Au moment où je m'apprêtais à l'étudier, il y a un autre message qui est venu. Mais c'est même pas lui qu'on va parler ce matin encore. L'emprise des traditions et leurs conséquences sur notre vie. Amen. Mais ce n'est pas de lui qu'on va parler. J'ai commencé à le préparer quand, hier matin, j'ai su porter à parler sur l'influence. Et Frère Branham en a parlé. J'ai été chercher les deux prédications dont il a parlé sur l'influence. Et on va commencer par celui de 63. On termina sur celui de 64. Comment est-ce que nous pouvons influencer de la bonne ou de la mauvaise manière ceux qui sont autour de nous? Comment nos enfants peuvent influencer de la bonne ou de la mauvaise manière notre réputation, la réputation de notre famille? Comment nous pouvons influencer de la mauvaise manière nos voisins, même nos frères chrétiens et chrétiennes? Comment on peut se laisser prendre au piège dans des choses qui ne sont même pas bibliques? Je ne sais pas si je pourrais finir ça ce matin ou ce jour, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on pourra parler. Priez pour moi, pour que je puisse le rendre, non pas seulement comme Frère Branham l'a donné, mais comme je le ressens moi-même. Je sais que ça fait des années où j'en ai parlé. Quand nous étions arrivés à Kouwait, nouvellement dans les années 98-99, j'en avais parlé. Mais je ne sais pas pourquoi, hier matin, la seule chose qui est venue, c'est de parler de l'influence. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, nous élevons la voix vers toi comme ton Fils l'a dit, afin que ce matin, tu combles chacun de nous de tes faveurs. Et Jérémie avait raison de dire que tout ce qu'il veut repenser dans son cœur, ce sont tes compassions. C'est ta miséricorde, ta bonté. C'est ça qui est important pour nous. Et c'est pour ça que nous sommes joints à David pour chanter ce cantique-là. Détourne-toi de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Et alors les os qui sont en nous qui ont été brisés se réjouiront. Il n'y a que toi ce qui peut réjouir, qui peut réjouir les cœurs, qui peut être puissant, rétablir tout ce qui est en nous a été démonté, brisé, détruit. Toi seul peux apporter la joie. Et ce matin, nous voulons compter sur toi pour que notre joie soit au beau fixe, en toi. Viens et prends ses lèvres comme un instrument dans tes mains, afin que ce qui doit être dit vienne de toi. Prends les oreilles de mes bien-aimés, sanctifie-les, et qu'ils puissent recevoir ce que tu as leur dit, et prépare nos cœurs, pour que Seigneur Père Tout-Puissant, ces cœurs-là puissent comprendre, recevoir, garder et vivre selon que tu le veux. Bénis-nous, fortifie-nous et relève-nous. Je voulais profiter de l'occasion pour penser à notre sœur Léa qui a subi encore une opération depuis 2 jours et qui n'est pas encore sortie de l'anesthésie. Père Céleste, aussi tu voulais simplement étendre ta main sur elle et faire grâce et miséricorde. Tu sais, elle a passé 3 mois dans un état difficile qui a causé une autre maladie. Mais toi, tu sais toutes choses et tu es Dieu. Nous élevons la voix vers toi seulement pour prier parce que c'est ce que tu nous as demandé. Tu dis si 2 ou 3 s'accordent et si tu demandes quelque chose en ton nom, tu le feras. Qu'il en soit ainsi maintenant, avec ta fille puisse sortir et que son mari soit en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai, notre sœur passe vraiment par des moments très difficiles. Vous savez, elle a fait un AVC.
C'est pour ça qu'elle est partie en Turquie. On lui a mis un tube pour 3 jours. Le tube a fait 3 mois avant qu'elle ne sorte. Et par la grâce de Dieu, quand elle est sortie, moi-même, j'ai parlé avec elle, avec son mari, et il s'apprêtait à retourner à Libreville. Mais qu'elle fait quelques pas, elle est essoufflée. Les médecins ne comprenant pas, ils ont dû refaire de la radiologie, un IRM pour voir de quoi il est question. Son système pulmonaire s'est déformé comme une guitare. Là, ils étaient obligés de l'opérer pour rétablir les choses. Elle devait je crois, sortir de l'anesthésie depuis hier, 8 heures du matin, heure de chez eux, 8 heures du matin, ça fait 5 heures du matin chez nous. Et jusqu'à l'heure, elle n'a pas encore fait signe. Le médecin, je sais que dit lui aussi, sont tous dans l'embarras. Ils l'ont mis sous traitement, dans l'attente de voir si elle va réagir. Mais nous savons que notre Dieu, il est un Dieu puissant. On a prié, on continue de prier. Ce matin, il a envoyé un message, son mari a envoyé un message à Jean-Marie qui m'a envoyé cela. Ça m'a quand même un peu brisé, ça m'a beaucoup brisé. Ça, c'est vrai parce que quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, est-ce que c'était la fin? Mais j'ai été heureux de voir que on n'a pas annoncé la fin. On peut encore continuer de prier, d'intercéder jusqu'à ce que le Seigneur nous dise sa volonté parfaite. Amen. Pour commencer ce sujet-là, j'ai lu le même passage que Frère Branham a lu. J'ai déjà lu ce passage. J'aime bien ce passage qui est dans Ésaïe 6, verset 1 jusqu'au verset 8. Généralement, quand on parle de ça, on voit plutôt l'humilité, la mise en mouvement, en action d'Ésaïe. On voit la purification du péché d'Ésaïe. On voit notre Dieu Tout-Puissant, dont la gloire remplit toute la terre. Mais on peut également voir comment est-ce que le roi Ozias a influencé la vie d'Ésaïe. C'est de ça qu'on en a parlé. On prend cela comme modèle. Et puis, nous instruire nous aussi en ces temps de la fin. L'année de la mort du roi Ozias, c'est Ésaïe qui parle. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe chapitre 6, je lis à partir du verset 1. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce temps. J'ai toujours la gorge un peu remplie. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie, et la maison remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Il n'a pas pris une pince, hein. Il a pris cette pierre ardente dans sa propre main, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Ah, il y a des pincettes dedans. Parce qu'on me dit, tenant à la main une pierre ardente qu'il appelait des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Le péché, on sait tous le péché, le plus gros, le péché fondamentalement, c'est le fait de ne pas croire, c'est l'incrédulité. Aujourd'hui, si quelqu'un ment, il vole, il fume, il boit, il commet adultère, c'est parce qu'il ne croit pas. Le croyant ne peut pas vivre ça. Ceux qui vivent ça ne sont pas des croyants. C'est pour ça que le vrai péché, le péché lui-même, c'est le fait de ne pas croire que Dieu est vrai, que Dieu existe et que sa parole est réelle.
Celui qui croit la parole de Dieu, qui croit que Dieu existe, il ne peut pas pécher. Il ne peut pas vivre les attributs du péché. Parce que c'est parce que tu ne crois pas que tu vas boire. C'est parce que tu ne crois pas que tu allais fumer. C'est parce que tu ne crois pas que tu allais vivre l'adultère. Tu allais mentir. Tu as raconté toutes sortes d'histoires. Mais si tu crois, tu ne peux pas faire ça. L'iniquité, c'est ce que tu sais ne pas être bon, mais auquel tu t'attaches, malgré tout. Tu sais que ça, ce n'est pas bon. Tu dois te détourner de ça, mais tu es attaché à ça. C'est pour ça que quand le Seigneur parle de vous êtes ouvrier d'iniquité dans Matthieu 7, les gens savent aujourd'hui plus ou moins que la Trinité n'est pas vraie. Dieu ne vit pas, n'est pas trois dieux. Il est unique. Et c'est pour ça qu'il dit, vous savez, vous continuez d'être dans l'iniquité, vous commettez l'iniquité, parce qu'il sait bien que cette adoration-là n'est pas biblique. Abraham n'a pas adoré trois dieux. Moïse n'a pas adoré trois dieux. Aucun des prophètes de l'Ancien Testament n'a adoré trois dieux. Même les apôtres n'ont pas adoré trois dieux. Donc s'attacher à ça, c'est vraiment vivre complètement dans des choses dont on ne peut pas trouver les origines dans les Écritures. Et j'entendis, le verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Quand Isaïe a reçu la purification de son iniquité et de son péché, en ce moment-là, il sait qu'il peut se présenter devant Dieu et lui dire, je suis prêt, je peux te servir. Personne ne peut servir Dieu aussi longtemps qu'il vit dans le péché. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas plaire à Dieu et Dieu ne peut même pas te parler. C'est vrai, j'aurais aimé être dans une chaire pour prêcher cette parole-là ce matin. Maintenant que je sais que ce qu'un frère a vu depuis des années s'est pleinement accompli, je prie que Dieu nous donne un lieu pour avoir un lieu de culte. Ne soyez pas surpris, parce que c'est un chemin de non-retour. Vous vous souvenez que Thierry, c'est en 2015 ou en 2017, où j'ai dit que on est trop nombreux, c'est 2015. Un G 2015. 12 G 2015. Pour ceux qui veulent, c'est maintenant que je m'en suis. Hier, j'étais en train de réfléchir là-dessus. Et j'ai compris seulement que ça ne peut qu'être un chemin de non-retour. Donc, ceux qui veulent aller avec moi, qui s'aiment bien. Celui qui ne serait pas capable, qui reste chez lui. Si je suis seul, je le ferai. Vous vous souvenez qu'en 2015, quand je prêchais ce jour-là, j'ai dit, c'est le temps où si un homme parle, ça doit être comme s'il annonce les oracles de Dieu. Vers la fin, j'ai dit à tous ceux qui étaient dehors, qui étaient même aux fenêtres, de venir dans le temple, parce que Dieu parle. Et j'ai dit, nous sommes trop nombreux. Beaucoup trop nombreux, voilà les voitures, et il y a beaucoup trop d'argent. Le temps est venu où Dieu doit trier. Vous vous souvenez bien? Il y en a qui ne se souviennent pas, il y en a qui veulent encore l'écouter. Et à la fin, je me suis retourné vers Isaac et Matthieu, j'ai dit, rien ne dit qu'avec ces frères-là, je travaillerai jusqu'à l'enlèvement. Je ne savais pas de quoi je parlais ce jour-là. Mais il m'arrive de dire certaines choses et puis ensuite, j'observe, je regarde et je vois. Et les réunions qui se tiennent ici ont été vues par Frère Koné juste après que nous sommes partis à Yopougon. On est parti à Yopougon dans les années 98. Il est parti à l'église, il ne m'a pas vu là-bas. Et il a demandé, mais où je suis là? On lui a dit, je suis chez moi à la maison, je tiens mes réunions chez moi à la maison, comme vous le voyez aujourd'hui. Et en songe, il est venu me voir pour me demander, mais pourquoi j'ai fait ça? Je lui ai donné les raisons. Les raisons aujourd'hui sont accomplies
pleinement. Et j'attends qu'il vienne chez moi comme la première, que je lui dise. La fois dernière, quand on s'est rendu, tu es un incrédule. Toi, Dieu te parle, et quand ça s'accomplit, tu ne vois pas. Tu es vraiment un incrédule. Ce n'est pas le temps de suivre un homme. Ce n'est pas le temps de former un groupe. Je suis sûr dans ce que je vous dis. S'ils attendent de moi là-bas, s'ils attendent, ils m'attendent de l'autre côté, ils perdent leur temps. De 90 à maintenant, j'ai dit qu'on ne travaille pas dans le même esprit. Je l'ai porté de 90 jusqu'en 2019. Pour ne pas dire 2020, ça fait 30 ans. J'en ai fini. Hier, un frère m'a appelé pour dire, frère, tu restes tranquille, Dieu s'occupe du reste. J'ai dit gloire à Dieu. Si Dieu t'a dit qu'il s'occupe du reste, il va s'en occuper. Mais moi, je suis engagé à chercher un terrain et à bâtir un lieu de culte. Pour ne plus me mélanger les pédales ni les pieds. Donc, pour ceux qui sont prêts, j'attelle moi, mon cheval, et je m'en mets de l'avant. Car j'ai parlé à beaucoup de personnes qui ont cru, je ne veux pas que le sang de quelqu'un retombe sur moi. Je ne veux pas porter le sang de qui que ce soit d'entre vous. Je vous dirai la vérité aussi longtemps que Dieu me mettra à cœur de vous parler. Ça fait dur, mais ne vous attendez pas à ce que je vous dise des choses qui vous plaisent. Je ne le ferai pas. Je ne veux pas répondre du sang de qui que ce soit. Le Seigneur a dit, sentinelle, je t'ai placé comme une sentinelle. Si je dis, voilà le malheur qui arrive, tu ne préviens pas le pécheur pour qu'il s'en détourne. S'il meurt, il mourra à cause de son péché, mais toi, tu vas répondre de son sang. Je ne veux pas répondre du sang de qui que ce soit. Je ne veux pas avoir le sang de quelque personne sur ma main. C'est pourquoi j'ai dit, si quelqu'un veut venir, qu'il vienne. Sinon, qu'il soit libre. Alors, après avoir lu ceci, voilà ce que Frère Branham m'a dit. J'ai pris beaucoup d'écritures aussi dedans. Il dit, vous savez, il y a tant de personnes parmi nous. Et la plupart d'entre nous tous, nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons, par la manière dont nous vivons, par ce que nous disons. Nous influençons quelqu'un. Quelqu'un observe votre vie. Et puis quand nous confessons que nous sommes des chrétiens, quel genre de vie devrions-nous mener si quelqu'un nous observe? Je crois qu'on vient de finir le message. Comment devrions-nous vivre si Christ vit en nous? Je pense que ça fait complètement une suite logique. C'est après que j'ai compris. C'est ce matin que j'ai compris que ça fait une suite logique. Ce qu'on va lire maintenant, ce qu'on va étudier maintenant, est une suite logique des choses dont on a parlé pendant, je crois, 3 semaines ou 4 semaines, 4 dimanches. Donc ici, arrêtons-nous. La plupart d'entre nous, l'inflation, nous tous, à commencer par notre petite maison. Notre vie influence, si nous sommes des chrétiens, notre vie influence tous ceux qui vivent avec nous, qu'ils soient chrétiens, oui ou non. Donc faites attention. Notre vie influence nos parents, qu'ils soient croyants ou non. Notre vie, notre marche, notre attitude, nos langages, tout ce qui sort de nous influence quelqu'un. Dans nos bureaux, même quand vous venez au marché, sachez que vous allez influencer quelqu'un. Alors, de quelle manière cette influence va-t-elle se passer? Quelle est la forme d'influence? Que ça va produire? Et ça, bien-aimé, en tant que croyant, si nous vivons la Bible, nous influencerons les gens par rapport à la parole de Dieu. Si notre comportement, notre attitude, nos langages sont bibliques, c'est de façon biblique que nous allons influencer les gens.
Si ce n'est pas le cas, alors nous les orientons directement vers une autre direction. Parce qu'on peut amener quelqu'un, frère et sœur, par notre vie, à l'envoyer directement dans une éternité sans fin où il vivra, il souffrira la seconde mort. Mais si nous l'influençons des croyants pour l'amener à Christ, il va trouver son chemin pour être comme Christ, être un chrétien et vivre la vie éternelle. Quelqu'un observe votre vie. Ça doit être très clair pour chacun de nous. Ne pensons pas que nous vivons en vase clos. Aucun homme ne vit dans une vase clos. Dans une vase close. On dit un vase, non? Dans un vase clos. Aucun homme ne vit dans un vase clos. Nous vivons tous en vase ouvert, très ouvert même. Même si on n'est pas conscient, sachez que vous êtes ouvert. Et votre vie est analysée, scannée, scrutée par des gens qui vivent avec vous. Jean-Marie a rendu un témoignage la fois dernière que je vais vous donner. Quand il est arrivé à Libreville à sa fonction, il n'était pas parlé de sa famille. Et il y a une dame dont le mari a été, Jean-Marie, Ministre. ministre de Bongo. Sa maison se trouve en face de la maison de Jean-Marie. Ça va vous surprendre, hein? Quand la Bible dit que nous sommes environ d'un plus grand nombre de témoins là, c'est pas fou, hein? Alors cette femme a vu ce jeune homme arriver dans la maison qui lui appartient. Et à 5 h du matin, elle se lève, elle ouvre son portail et elle a un hamanak dans lequel elle s'assoit et elle regarde qu'est-ce qui va sortir de la maison de ce jeune homme. Ça vous surprend? 5 h du matin, elle s'assit là. Donc, le jeune homme sort. Il vient ouvrir le portail, puisqu'il n'a personne avec lui, il est seul. Il vient ouvrir son portail, il sort sa voiture, il rentre, il ferme le grand portail, il ouvre le petit portail, il sort, il ferme le petit portail, il prend sa voiture et il va au travail. Quand le soir arrive où il va rentrer, elle vient s'asseoir pour voir si il va rentrer avec une femme, oui ou non. Pendant un an entier, 365 jours, 365 jours, sa femme s'est comportée comme ça. Et puis elle a tiré la conclusion que les hommes ne sont pas sérieux, mais il y a des hommes. On ne peut pas faire confiance à des hommes, mais il y en a. Et c'est de sa bouche qu'elle va parler. À Victorine elle-même. Devant une partie de femmes avec lesquelles elles ont des activités. Et puis elle a dit, on dit qu'il n'y a pas d'homme sur la terre qui soit bon. Mais moi, j'ai dit, il y a un homme. Moi, j'ai vu un. Et c'est elle qui va dire, le mari de cette femme-là, Victorine-là, c'est un garçon, c'est un homme. Je l'ai suivi pendant un an. Aucune femme n'est sortie de sa maison, aucune femme n'est rentrée chez lui. Vous voyez comment on peut influencer quelqu'un? Elle a pris le temps de s'asseoir, jour après jour. Pendant 365 jours, une année entière, pour voir si cet homme-là, il est propre ou il n'est pas propre. Vous voyez? Supposons que les choses étaient autrement, qu'elles sont en train de parler, non, il n'y a pas un homme. Elle a dit, il y a des, moi, mon mari, elle a dit, il faut laisser ça. Ma fille, il faut laisser ça. Elle allait insister. De façon, son mari, elle a dit, il faut laisser ça. Mais ce n'est pas Victorine qui va défendre son mari. C'est elle qui défend le mari de Victorine devant toutes les femmes qui étaient là, dont les maris ne sont pas des hommes corrects. Frère, notre vie influence. Et comment? Et puis quand nous confessons que nous sommes chrétiens, quel genre de vie devrons-nous mener si quelqu'un nous observe? Quel genre de vie? Ce matin, on va examiner ça. Quel genre de vie on doit mener? Vous savez, la vie, elle est forte, elle est grande, comme on le dit. Hein. Elle a plusieurs composantes. Vous savez, ce matin, j'ai fait le plaisir d'aller chercher, comme on va parler de ça tout à l'heure, je pense, peut-être ce matin ou cet après-midi. J'ai été chercher les propriétés du sel. Parce que le Seigneur parle de
du sel, que nous sommes le sel de la terre. Depuis longtemps, on en a parlé, mais ce matin, j'étais poussé à aller chercher quelles sont les propriétés du sel. C'est vrai qu'on parlait d'un aspect, mais je vous dirais également d'autres éléments du sel qui sont importants, qui doivent être les éléments qui caractérisent également la vie d'un croyant. Et la vie que vous menez exerce une influence sur quelqu'un. Sa destinée éternelle reposera sur la manière dont vous vivez et les choses que vous faites, car il vous observe. Cette personne qui vous observe là, vous allez orienter sa vie future, même là où il a passé son éternité. Vous pouvez l'entraîner dans le mal. Vous pouvez l'entraîner comme hors de la vie chrétienne, hors de la vraie voie. Vous pouvez l'entraîner sur le chemin le plus large, on le dit, comme vous pouvez l'entraîner sur le chemin étroit qui mène à la vie. Parce qu'il vous observe. Frère, on est ici. Vous pensez, les gens ne nous observent pas. Si, ils nous observent. Le voisin qui est là, je vais vous dire. Le vieux qui est assis là-bas, là. Quand je construisais ce bâtiment, c'est lui qui a ferraillé toute cette maison. Il m'a vu plus jeune. Il était plus vieux que moi. Il m'a vu plus jeune. Il a été un ouvrier sur ce chantier, mais il est toujours là. Et sa femme a beaucoup de respect pour cette maison. Lui, il a beaucoup de respect pour nous. Ses enfants ont beaucoup de respect pour nous. Parce qu'ils savent qui nous sommes. Le voisin qui est là, les gamins savent. Ça vient d'arriver, il n'y a pas longtemps. Mais ils savent aussi, parce qu'elles sont rentrées ici, pour la première fois qu'elles sont rentrées ici, elles savent ce que nous vivons aussi. C'est pour ça que quand il y a eu quelques problèmes au niveau du parking, je dis, ne parquez pas là. S'ils ne sont pas, ne parquez pas devant. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de problème parce qu'on n'en a jamais eu avec les gens dans le quartier. On ne doit même pas en avoir. Parce qu'on est suivi, on est observé. Hier, non, le samedi, non, le vendredi, mon ex-directeur m'a demandé de venir au travail, de voir au bureau où je suis allé. Et dès que, moi, quand je vais là-bas, il m'arrive de descendre pour aller voir quelques collaborateurs, anciens collaborateurs, je les salue. Et puis, j'arrive là, je vois une ancienne collaboratrice. Dès qu'elle m'a vu net, elle s'est cachée comme ça. Elle s'est abaissée, elle s'est cachée. J'ai dit, mais je suis vraiment parti. Hein. J'ai dit, je suis vraiment parti. Elle dit, papa, je suis vraiment parti. Hein. Ma fille, c'est comme ça ta vie maintenant? Ne pensez pas qu'elle n'appartient pas à un groupe religieux. Hein. J'étais à son mariage. Elle appartient à un groupe religieux. J'assiste à son mariage et tout. Mais aujourd'hui, quand vous la voyez, quand j'étais là-bas, là, elle ne pouvait jamais porter une robe, une jupe qui soit au-dessus de son genou. Elles font tout pour porter des jupes. Au point, il y a une qui est venue ici, ça veut dire, ah, papa, maintenant, là, on ne peut même plus porter nos pantalons parce qu'on a fait, on a changé toute notre garde-robe. Maintenant, tout ce qu'on a, on a un seul pantalon, on ne peut pas porter ça tous les jours. Et elle est bien décolletée, le bras nu, les pieds nus. Je l'appelle ma fille. C'est comme ça que tu t'habilles maintenant? Et tu dis que tu vas à l'église? Frère, prenons garde. Quel témoignage allons-nous rendre? J'avais une qui était assemblée de Dieu, elle est venue, je ne savais pas qu'elle était une chrétienne, et puis elle est venue en parler, puis elle dit qu'elle est assemblée de Dieu. J'ai dit, tu es assemblée de Dieu? Elle dit oui. J'ai dit, mais tu m'étonnes. Dis-moi, quelle différence il y a entre toi et la femme musulmane qui est à côté? Dis-moi, quelle différence quand je te vois là? Je ne sais pas ta foi, je ne sais pas, hein, mais quand je te vois physiquement, dis-moi quelle différence il y a entre toi et la femme musulmane. L'autre dit qu'elle est musulmane, toi tu dis que tu es chrétienne. C'est tout ça. Mais quand je vous mets côte à côte, je ne vois aucune différence dans votre aspect extérieur. Tu te maquilles comme elle se maquille. Comme elle se maquille. Tu t'habilles comme elle s'habille. Tu parles comme elle parle. Qu'est-ce qui fait de toi la différence? La différence qu'il y a entre toi et cette femme musulmane. Quelle est la différence? J'ai dit, ma soeur, moi j'étais assemblée de Dieu. Hein. C'est vrai, je peux dire, j'étais partisan, sympathisant de l'assemblée de Dieu. Mais au moment où nous, on allait là-bas, là, les femmes ne s'habillaient pas comme ça. Les femmes ne se conduisaient pas comme vous conduisez aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui ne va pas? Les choses qui ont changé, c'est tous ces frères. Parce qu'il n'y a plus d'hommes qui peuvent se tenir à la chair pour dénoncer ces choses.
Il n'y a plus de serviteur de Dieu capable de se tenir la chair pour dire ce que vous faites là est mauvais. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'approuve pas ça. On n'a plus d'hommes. On n'a plus de prédicateurs aujourd'hui capables de dénoncer ces choses. C'est pour ça que même nos églises dans le message souffrent. Au point où souvent, quand on t'invite à aller dans une église, tu as bien peur de partir parce que tu allais parler des choses qui vont être contraires à ce que les gens croient être vives. Moi, un jour, quelqu'un m'a invité là et je ne sais pas pourquoi, mais je ne me suis pas deux ou trois fois, je ne me suis pas senti à partir, à aller là. Et puis, la quatrième fois, il m'envoie la photo de l'assemblée. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas conduit à aller là-bas. Parce que je partais là. Je n'allais pas pouvoir tenir ça là. J'allais dire au frère, excuse-moi, tu m'as invité. Mais ça là, où tu envoies ces personnes, ces femmes là, où tu les envoies? En enfer ou au ciel? Ces sœurs là, qui sont venues, qui t'écoutent là, où tu les envoies? Ou bien c'est leur argent qui t'intéresse? Frère, vous qui êtes marié là, c'est votre argent qui l'intéresse? Frère, sœur, le monde nous observe. Le monde nous observe. Prenons garde. Quelle sorte de vie menons-nous? Pour que nous influençons les hommes de la bonne façon pour le compte de Dieu. Quelle sorte de vie? Quelle sorte d'attitude avons-nous? Quelle sorte de langage tenons-nous? De quoi parlons-nous quand nous sommes ensemble? Dimanche passé, on a relu dans Colossiens chapitre 3, le verset 15, 16, 17. Il dit, si on n'a rien à faire, là, quand on se retrouve, là, c'est quoi? De nous exhorter, de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout notre cœur. Avant, je disais, frère, n'écoutez pas tous les cantiques. Vous savez, la fois dernière, même, je parle de la fois dernière, je parlais avec Léon, où il a commencé à acheter beaucoup d'instruments. Il a demandé aux gens de venir jouer de la musique chez lui. Je crois que c'est le piano là, quand il a commencé à chanter ses vieux cantiques d'autrefois, il y a un qui a commencé à pleurer. Quand l'autre a commencé à jouer, là, il dit, mais pourquoi vous ne chantez? Pourquoi vous ne jouez pas ces cantiques? Il dit, mais on ne connaît pas les notes. On ne les connaît plus. Personne ne les chante, on ne les connaît pas. C'est parce que tu les chantes que nous, on peut jouer, on comprend. Mais pourquoi on ne peut plus chanter ça? Et son ami avec qui il est venu là, le gars est en train de pleurer. En écoutant les chants et la note, quelque chose s'emparait de lui, il a commencé à pleurer. Frère, ne chantons pas n'importe quel chant. N'écoutons pas n'importe... Tout ce qu'on appelle cantique là, n'écoutons pas tout. J'étais avec... la fois dernière, ma femme, on a voyagé, une de ses amies est arrivée aux États-Unis pour entrer sa maman. Et puis, dans la voie, elle dit, mais vous avez de très beaux cantiques. Vraiment de très beaux cantiques, de vieux cantiques que je n'ai plus. Est-ce que vous pouvez me numériser ça, me donner? On va te le faire. Mais si on chantait le woyo woyo d'aujourd'hui là, est-ce que ça allait t'intéresser? On n'est pas intéressé. Si on devait chanter, et avant de partir, elle lui a dit, chez nous là-bas là, on ne vend pas en pantalon. Hein, donc il ne faut pas venir chez nous en pantalon. Elle lui a dit, il ne faut pas aller chez moi là-bas en pantalon. Chez moi à la maison là-bas là. Où on va là? On ne va pas là en pantalon. Tu es une femme, tu t'habilles bien, puis tu viens nous trouver, on va partir. Mais c'est une femme catholique. Ça peut peut-être demain, l'influenceur vous dit, mais pourquoi elle n'a pas voulu le porte-pantalon? Peut-être un jour, elle va poser la question. Alors, elle aura le temps de prendre la Bible pour lui dire, ma soeur, voilà ce que la Bible dit. Mais voilà ce que le monde nous dit. Si tu vas au ciel là, voilà. Je vous dis, moi j'ai une chose qui m'a impressionné quand j'ai écouté la femme là qui parlait de sa mort, la mort de sa femme, de sa mère, de son père. Son père était très catholique, il a aidé à construire les églises et tout. Mais les gens sont sincères dans ce qu'ils font. Vous vous rendez compte que les gens sont sincères, on les a induits en erreur, mais ils sont sincères dans ce qu'ils font. Pour eux, ils sont vraiment en train de servir Dieu. Ils sont en train de faire ce qui est agréable à Dieu. Ils mettent toute leur énergie pour ça. Leur vie, leur argent, ils mettent tout. J'ai dit, ils mettent leur argent. Quand on voit une personne bâtir une église, ouais, Saint-Jean, qui l'a bâti? C'est le frère, le papa de la soeur
Amani, Véronique, il vient ici. C'est son père qui a baptisé avec sa femme. Et le père, c'est lui qui a construit l'église qui est dans le village à Loi. La jeune dame dont nous parlons. Frère, les gens sont sincères dans ce qu'ils font. Ils croient que c'est la voix de Dieu. Sinon, ils ne seraient pas investis. Mais nous, combien sommes-nous capables de nous investir dans les choses de Dieu? Zéro. Zéro. On parle plus qu'on ne se mette à l'œuvre pour Dieu. On se met en action pour servir Dieu. Tout à l'heure, on a lu où Esaïe dit, mais me voici, envoie-moi. Maintenant, je sais, il peut partir. Avant, je pensais que j'étais un prophète que tu agrées. Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé là, ces êtres qui n'ont jamais péché, ces êtres qui n'ont jamais péché, ils ne sont même pas autorisés à voir Dieu. Ils sont obligés de se voiler la face avec deux ailes. Couvrir les pieds avec deux ailes. Mais nous, il nous a autorisé de monter au trône de grâce. Oui, j'ai dit, oui. Alléluia. La porte est ouverte. C'est vrai. Et ils n'ont jamais péché. Mais nous, on a été des pécheurs. On n'est plus pécheurs. Hein. On a été des pécheurs. Parce que quand on croit et qu'on est sanctifié par la parole, on est sanctifié par le sang de Jésus, on n'est plus pécheurs. Nous sommes des saints. La seule chose, sinon, frère, on ne peut pas avoir la vie éternelle à nous. Ce n'est pas possible. Vous pensez que Dieu va venir vivre dans un corps souillé? Non. C'est parce qu'il a sanctifié le corps qui peut amener sa vie dedans. Amen. Celui qui écoute ma voix et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Si vous entendez la voix du Seigneur et que vous croyez en celui qui l'envoie, c'est pour ça que l'apôtre Paul le dit bien. C'est en croyant du cœur et en confessant sa bouche qu'on parvient au salut. Amen. Si tu crois donc et que tu confesses ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu viens au salut. Il n'est pas dans tout le monde de confesser ça. C'est une grâce même de confesser que Jésus est Seigneur. Oui, c'est vrai, frère. Le temps nous est donné aujourd'hui, frère, de prendre garde. Ces gens sont très sincères dans ce qu'ils font. Moi, j'ai regardé et dit, mais c'est vrai. Ils sont tellement dedans que comment quelqu'un va mettre de l'argent quelque part s'il n'y croit pas? S'il ne croit pas qu'il va mettre de l'argent dedans, il ne peut pas mettre son argent dedans. Mais nous, qui disons que nous croyons aujourd'hui, combien sont ceux qui peuvent investir? On est tous en train de bâtir nos maisons, acheter des véhicules, faire des affaires. Même quand on est dans l'église, on fait des affaires. Comme on est à la tête de l'église, on fait des affaires. L'église devient un centre d'affaires. L'église devient un centre d'affaires. L'église devient un centre d'affaires. Et c'est vrai. Alors je reprends. On va aller un peu plus loin. Tout à l'heure, on va lire un passage biblique. Je reprends. Vous savez, il y a tant de personnes parmi nous, et la plupart d'entre nous tous, nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons. Ce qui veut dire que dès aujourd'hui, quand je dois poser un acte, je dois me dire, il y a quelqu'un certainement qui est en train de m'observer. Donc, je dois faire attention à ce que je fais. Je dois prendre garde. Par la manière dont nous vivons et parce que nous disons, nous influençons quelqu'un. Quelqu'un observe votre vie. Et puis, quand nous confessons que nous sommes des chrétiens, quel genre de vie devrions-nous mener si quelqu'un nous observe? Et si nous sommes conscients que quelqu'un nous observe, quel genre de vie devrions-nous mener? Parce que, effectivement, quelqu'un nous observe. Et on va voir tout à l'heure combien de personnes nous observent. Et la vie que vous menez exerce une influence sur quelqu'un. Sa destinée éternelle reposera sur la manière dont vous vivez et les choses que vous faites, car il vous observe. Bien-aimés frères, ça doit nous pousser à faire très attention. Si notre manière de faire là, là où la personne va passer l'éternité là, repose sur ça. Prenons garde. Que Dieu nous aide à prendre garde, chacun de nous. Alors, on va lire dans 2 Corinthiens,
Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, il lit le verset 2 et le verset 3. Je peux lire même à partir du verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul dit, que nous qui croyons, nous qui avons reçu la parole de Dieu, que eux ils ont prêché, aujourd'hui, nous devons savoir que notre vie est comme une lettre lue par ceux qui sont autour de nous. Notre attitude, nos langages sont des lettres écrites et lues. Pas les lettres écrites par des hommes, hein. Si encore c'est vrai, mais écrites par le Saint-Esprit et lues. De sorte que, frère, ça peut permettre de différencier les vrais des faux. La vie que nous menons, l'influence que nous menons, ou bien que l'influence que nous exerçons plutôt, permet de différencier les vrais croyants des faux croyants. Et dans notre test de ce matin, je continue de lire, l'influence, nous voyons que ce roi Ozias exerçait une grande influence sur le jeune prophète. Ézéchiel, de son côté, était un prophète confirmé et distingué de son temps. Je pense que selon la manière dont Ésaïe l'a exprimé, il exerçait une grande influence sur Ésaïe. Parce que vous allez voir que si vous lisez dans 2 Chroniques 16, vous verrez comment, à quel âge Ozias a cédé au trône. Et son père, comment son père s'est comporté à Massasia, comment il s'est comporté. Et cela a influencé positivement son fils. De sorte que quand il est mort, et que son fils, je crois l'âge de 16 ans, si je ne me trompe pas, a pris le pouvoir, a fait comme son père. Il a marché longtemps comme son père. Je ne me précipite pas, on le lira plus tard. Il a fait exactement les choses comme il se doit, pour plaire à Dieu. Il a craint Dieu. Et alors, ça a tellement influencé ce jeune prophète que partout où le roi va, il est prêt à l'accompagner. Parce que quand tu as quelqu'un qui a une forte influence positive, tu veux l'imiter, tu veux être à ses côtés pour apprendre. Pourtant, Ésaïe, vous savez qu'un prophète, il est né prophète. Hein? Il n'est pas devenu prophète, il est né prophète. Ésaïe est né prophète. Lui, il est devenu roi. Lui, il est devenu roi parce que dans sa lignée, il est dans la lignée de ceux qui sont rois en Juda. Mais Ésaïe, lui, il est né prophète. Et il a grandi et il a commencé à exercer son ministère sous ce roi-là. Mais l'attitude du roi était tellement positive, son comportement était tellement bien, sa crainte de Dieu était tellement effective que le prophète même s'est laissé vraiment influencer par ce roi. Eh bien, voyons qu'Ozias était appelé pour être le roi. Ozias est appelé pour être le roi à l'âge de 16 ans, après la mort de son père. Son père fut un croyant affermi. Sa mère aussi fut une très brave femme. Et ce jeune roi avait été couronné à bas âge. Et tout de suite, il a pris le droit chemin par l'influence d'un père pieux et d'une mère pieuse. Je pense que cela doit nous enseigner. Voilà ce garçon. Il est devenu ce qu'il est à cause de ce que sa mère et son père ont été pour lui. Donc il a observé son père et sa mère.
Il était assis là, mais ils observaient. Soit on pense que les enfants ne voient pas ce qu'on dit, on fait. C'est fou, hein? C'est fou. Les enfants observent, ils savent. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de dire certaines choses devant les enfants. Frère, si vous n'avez rien de bon à dire d'un frère ou d'une sœur, taisez-vous. Apprenons à nous taire quand on n'a rien à dire de bon. Je dis bien de bon d'un frère ou d'une sœur. Et puis surtout, faites attention si les enfants sont à côté de vous. Logique, ils vont vous répéter ces paroles devant la personne. Ça vous comprendrez. Je pourrais dire votre douleur. Je me demande si vous allez vous demander est-ce que je dois creuser le sol pour rendre. Après, mais qui t'a dit de dire ça? Mais qui t'a dit de dire ça? C'est toi qui l'as dit de dire ça? Parce que celui lui a appris. Tu l'as dit de dire. Mais qui t'a dit de dire ça? On ne dit pas ça. Et toi, tu t'empêches de dire ça? Non, tu ne t'es pas empêché de dire. Comme tu ne t'es pas empêché de dire, et tout ce qu'on vous prêche dans le. On vous prêche dans la maison, prêchez-le sur le toit. Vous le lui avez prêché dans la maison, maintenant il le prêche sur le toit. Donc il a été influencé par son père, sa mère. Je pense que c'est un très bon exemple pour nous les parents aujourd'hui, d'être des modèles pour nos enfants. Eh bien, c'est en famille que vous menez une vie plus exemplaire et une vie plus médiocre. C'est en famille ou bien vous menez une vie exemplaire devant vos enfants, ou bien mener une vie médiocre. Et souvent, les enfants paient toujours le plus gros, le plus lourd tribut. Je disais dimanche passé que Léon avait un dossier de divorce. Il a demandé à l'homme et à sa femme, rappelez-moi un peu vos débuts, comment c'est passé, qu'est-ce que vous vous dites par avant? Il est là, hein? Je peux me tromper. Si je me trompe, il faut corriger. Est-ce que le divorce a progressé? Tiens, il faut parler pour que... Alors, à la première audience en ce qui concerne le divorce, les avocats n'entrent pas. Le juge reçoit les parties pour essayer d'arranger entre eux. Mais bon, c'est rien de compliqué. Vous savez qu'en 5 minutes, on ne peut rien arranger. Mmh. Et il y avait une telle tension qu'ils étaient au point d'arriver aux mains. Et j'ai pris le mari de côté puisque c'était lui qu'on conseillait. Et je lui ai demandé, j'ai eu comme ça envie de lui demander, mais est-ce que tu peux me raconter un peu vos débuts? Et il a commencé à m'expliquer avec beaucoup de joie comment tout cela a commencé, comment tout cela s'est déroulé. Et le calme est revenu, mais de façon automatique. Et ce qui faisait le blocage, qui faisait qu'ils étaient au point d'arriver aux mains et à se détruire, quand ils sont arrivés devant le juge, il dit qu'après concertation, ils voient qu'ils ne peuvent plus marcher dans le même sens, ils ne veulent pas faire de palabres, ils se sont trompés en se mariant, ils veulent à l'amiable se séparer et ne plus faire de palabres. Et la chose qui était extrêmement compliquée, je vous dis quelque chose, on a essayé pendant des mois de faire asseoir les parties en quelques minutes. Une solution a été trouvée. Et effectivement, bon, comme ce n'est pas dans l'église, souvent les gens se rencontrent à des carrefours et se marient comme ça. Et vraiment, tout le monde était vraiment dépassé, le juge même. Et rapidement, ils ont trouvé un accord pour sortir de là et pour reprendre leur vie en main. De sorte que le feu qu'il devait y avoir, les blessures qu'il devait y avoir, les injures qu'il devait y avoir, on n'a rien vu de tout ça. Simplement en se rappelant le début de leur relation.
Donc je m'étais trompé en disant qu'ils n'ont pas pu divorcer. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'ils le disent cette fois-ci, pour que ça soit bien corrigé. Donc, mais vous voyez comment ces choses sont passées? C'est tout simple. Quand l'amour s'installe, il n'y a pas de problème. C'est la vie. Et vous savez que ceux qui vont souffrir de ça, souvent ils sont déchirés. Ceux qui allaient souffrir de ça sont les enfants. Parce qu'il y avait une bataille de garderie, de ceci, de cela. Les enfants n'allaient pas savoir où il faut partir. Papa a été insulté par maman. Maman a insulté papa. Maintenant, où on va aller? Chez qui on va aller? Mais maintenant qu'ils sont partis, peut-être, comme on le dit, de façon amiable, c'est pas... ils pourront se fréquenter. Les enfants pourront aller où ils veulent. Et personne ne va se plaindre de dire, moi, je vais garder les enfants. Non, j'ai le droit, ceci. Il n'y a plus de droit à réclamer. Bien aimés frères, c'est important, c'est pour ça que ici, aujourd'hui, nous devons être les modèles pour nos enfants. Amen. Eh bien, c'est en famille que vous menez une vie exemplaire ou bien vous menez une vie médiocre. Quoique les enfants n'agissent peut-être pas très exactement tel qu'ils le voient, mais ils voient cela. Ne pensez jamais qu'ils ne le voient pas, car ils vous observent. Peut-être les enfants ne vont pas bien se conduire, c'est vrai. Mais ils savent ce que nous faisons. Ils voient ce que nous faisons. Et ils vont tirer des modèles de la vie que nous menons. Ils vont tirer des modèles. Et frères, et sœurs, influençons les enfants de la bonne manière. Surtout que nous sommes des croyants. Montrons-leur ce que c'est que la vie chrétienne. Parlons-leur du Dieu que nous servons. Et laissons Dieu agir dans la maison pour qu'ils aient confiance au Seigneur. C'est vrai. Souvent, ici, on n'est pas épargné par la maladie, on n'est pas immunisé non plus ici. Hein. Souvent, il y a beaucoup de cas. Hier soir, la petite, on est là, arrivée là, elle n'arrivait plus à respirer. Parce qu'elle avait fait last minute, elle a commencé à n'arriver plus à respirer. Après, on devait chercher à commencer à acheter les médicaments. Sa mémie lui a dit, va voir grand-papa, il va prier pour toi. Il est venu, on a prié ensemble, et puis il n'a pas se coucher. Mais on n'est plus en train de chercher des médicaments. Il n'y a plus de médicaments, on va aller courir à la pharmacie pour acheter des médicaments. On veut leur apprendre que notre Dieu là, il guérit. Amen. On veut leur apprendre à faire confiance au Dieu que nous servons. Pour que demain, si on n'est pas à la maison, qu'une chose se présente, ils soient capables eux-mêmes de se prendre la main. Et ça, c'est important. C'est très important. Ne pas toujours leur montrer le chemin de la pharmacie, ne pas toujours leur montrer le chemin de l'hôpital, mais leur montrer le vrai hôpital, c'est Christ. Amen. Le vrai médecin qui guérit, qui opère, sans laisser de blessures, c'est Christ. Amen. Et c'est important pour chacun de nous qu'à la maison, nous ne vivons pas une vie de médiocrité. Devant les enfants, nous ne vivons pas une vie de médiocrité, mais plutôt leur enseigner la voie de la justice, de la droiture et de l'équité. Je voulais lire quelque chose dans celui de 64, là, qui est, avant d'arriver. Je vais vous le lire tout de suite. C'est un exemple palpable qu'un enfant a vécu, un monsieur a vécu avec son fils. Ça m'a tellement bouleversé moi-même que je voulais qu'on le lise ensemble. Il y a quelques années, je lisais un petit article à Noël. C'était douloureux. Certainement que cela avait amèrement attristé mon cœur. Quand un homme était sorti, c'était un brave homme. Il ne buvait pas en réalité, mais il allait ça et là à Noël rendre visite à ses collègues. Eux tous lui parlaient, disant, « John, prends un peu, juste un peu, un petit verre. » Et en allant de maison en maison, il en a trop pris. Et il devait rentrer chez lui. Il était avec son fils, malheureusement. Alors, pendant qu'il traversait le parc, son jeune fils l'accompagnait. Et il a perdu de vue son jeune fils. Puis il s'est retourné et a regardé. Et le petit garçon marchait en zigzag. Et le papa a attendu jusqu'à ce que le petit garçon l'ait rattrapé. Il a demandé, «
Pourquoi parcours-tu tout le parc, fils? Qu'est-ce qui te fait marcher comme cela? Il a répondu, papa, j'essaie de suivre tes pas. C'est vrai, vous voyez? Cet homme prit le petit garçon et s'assit. Il le prit dans ses bras et dit, « Oh Dieu, pardonne-moi. J'aimerais marcher correctement pour que mon fils qui vient après moi marche correctement. » Et c'est ce que nous aimerions faire en tant que des chrétiens. Nous aimerions marcher comme des chrétiens, vivre comme des chrétiens, parler comme des chrétiens. Et puis, que devraient faire les chrétiens? Nous sommes des fils et des filles du roi. Quoique étrangers, agissons comme des fils et des filles. Femmes, laissez pousser vos cheveux. Arrêtez de porter ces vêtements que vous portez, des habits immoraux. Et tout homme, redevenez des hommes comme il en faut. Agissez comme des fils et des filles de Dieu. Vous êtes des étrangers ici, mais souvenez-vous, nous sommes des fils du roi. Observez l'influence que cet homme avait exercée sur les autres. Son moral gardait haut les esprits. C'est un esclave qui ne se laisse pas influencer par quoi que ce soit. Mais voilà cet homme-là, il a tellement bu qu'il zigzaguait dans son fils, suivait ses pas. S'il va à gauche, il va à gauche. S'il va à droite, il va à droite. S'il va à gauche, il va à gauche. Pour finir, il s'est rendu compte qu'il a tellement bu et qu'il a commencé à mal se conduire. Et si il comptait comme ça son fils, pour finir, son fils va penser que c'est la meilleure manière de vivre, la meilleure manière de faire. Il allait vouloir imiter son père. Il n'y a pas que les enfants qui observent, mais les voisins aussi observent. Qui n'a pas de voisins? Nous avons tous des voisins. Donc, sachons que nos voisins aussi nous observent. Non seulement nos enfants à la maison nous observent, mais nos voisins aussi nous observent. Et ça, c'est important. Nos voisins aussi. Surtout si, avant, vous n'étiez pas chrétien. Et qu'après vous devenez chrétien, vous allez voir que les rapports doivent changer. Avant, vous alliez, vous faites comme eux. Vous faisiez comme eux. Ils savaient où vous rencontrez et tout. Mais quand vous êtes devenu des chrétiens, ils doivent savoir qu'il y a quelque chose à changer. Ils vont vous dire, mais voisin, on ne te voit plus, tu dis non. Ah, excusez-moi, je ne suis plus comme avant. Je ne suis pas ce que je veux être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai choisi de suivre Christ. Ah bon? Donc quand on est chrétien, il dit, mais il y a beaucoup de chrétiens. Je vais vous expliquer une chose. Moi, l'un de mes anciens pasteurs dit, toi, tu ne bois pas, mais qui a donné à boire aux noces de Cana? Ce n'est pas Jésus qui a donné du vin à boire, et Jésus a donné de l'eau. Les autres ont bu, ils ont vu du vin. Donc, sachez une chose. Sachons que, frère, même au travail, les gens nous observent. Et vous pouvez influencer les gens de la bonne manière comme de la mauvaise manière. Moi, j'ai été avec un jeune méthodiste, on a travaillé ensemble, mais pour finir, on a reconnu qu'il y a un seul au milieu de nous qui était croyant. On a reconnu au milieu de nous qu'il y a un seul qui était croyant. Et le directeur général adjoint, un jour, a dit à son patron, notre patron, dit, il y a un seul qui est croyant, c'est celui-là. Et c'est bien parce que souvent, vous arrivez dans un milieu où on commence à parler de votre frère, vous êtes assis. Quand on parle bien de lui en tant que croyant, vous êtes assis là, vous êtes heureux. Vous êtes heureux de voir qu'on parle bien de votre frère, parce que c'est un croyant. Mais si on parle mal de lui, est-ce que vous serez heureux? Non. Vous-même, vous allez vous dire, aïe. Et puis si par inadvertance quelqu'un vous a vu une fois, il va vous demander, mais il avait vous? Moi, j'ai entendu des frères dire, il va aussi là-bas. Oui, il va là-bas. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont là-bas, là, sont bons. Tous ceux qui vont là-bas veulent marcher comme Dieu le veut. De sorte que, frère,
Nous devons faire très attention. Le temps est venu où chacun de nous doit savoir avec qui il marche et comment il marche. Parce que nous sommes observés depuis la maison jusqu'à l'extérieur. Je connais une petite devise que j'ai accrochée chez moi il y a beaucoup d'années. Je l'ai eue un jour au tabernacle de Billy Sunday, au cours d'une des réunions là, à Winawa, à Winawa Lake. Et je l'ai tellement appréciée que je l'ai prise et je l'ai accrochée dans ma maison. Je l'ai gardée jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement abîmée. Elle disait quelque chose comme ceci. Écoutez bien ce qu'elle te dit. N'allez en aucun endroit où vous n'aimerez pas qu'on vous trouve si Jésus venait. Qui a compris? N'allez dans aucun endroit où ne voudrez pas être si Jésus venait vous trouver là. Si vous pensez que Jésus vient vous trouver là, ce n'est pas bon pour vous, alors qu'il n'est pas là, là, n'y allez pas. Pourquoi? Parce qu'actuellement même, il vous observe. Si vous n'allez pas parce que vous craignez des hommes, vous perdez votre temps. Mais si vous n'y allez pas parce que vous craignez Dieu, vous avez fait le bon choix. Parce que même quand il n'est pas là physiquement, il est là spirituellement, il vous observe. Et ne dites rien que vous n'aimeriez pas être en train de dire si Jésus venait. Qui a compris? Ah. Donc vous voyez combien de fois nous sommes limités, frère. Nous sommes cadrés. La Bible veut que nous soyons cadrés. Sachant qu'à gauche, nous avons Jésus, à droite, nous avons Jésus, et nous devons rester au milieu. Dans tout ce que nous avons là, frère, la Bible doit être le seul moyen pour nous de nous conduire correctement pour plaire à Dieu. Donc si dans un endroit, il y a un milieu dans lequel je ne peux pas aimer me trouver si le Seigneur venait, s'il y a quelque chose que je n'aimerais pas voir, dire quand Jésus serait là, maintenant où il n'est pas là physiquement, ne le faisons pas. N'y allons pas. Prenons garde. Ne pensons pas que le Seigneur il est absent. Il est toujours présent. Il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Et il a dit là où deux, trois sont réunis, ils sont mieux deux. Frère, je vais vous poser une question. Est-ce que dans la rue, on ne peut pas prier? Dieu ne peut pas vous exaucer dans la rue. S'il peut vous exaucer, c'est qu'il est là. Soeur, si tu as un marché que tu vends, tu ne peux pas prier là-bas. Mais si tu pries, le Seigneur ne va pas t'exaucer. Mais s'il peut t'exaucer, sache que là où tu es, ce même quand tu n'as pas prié, il est là. Donc, il faut influencer de la bonne manière tes camarades commerçantes. Et ma soeur, qui est enseignante, je sais que tu as souvent des problèmes avec un autre que je connais bien. Ça, c'est vrai. Oui, frère. Et souvent, c'est difficile quand vous êtes dans un même milieu et que l'un d'entre vous vit le contraire de ce que toi, tu vis. C'est délicat. Mais nous devons influencer malgré tout en tant que croyant, en montrant le caractère du croyant, du chrétien. Acceptez qu'on vous appelle peut-être même de façon péjorative, pasteur, qu'on dise que vous êtes rien. Nous autres, quand on travaillait, on ne peut pas nous envoyer dans n'importe quel lieu. Quand les quatre arrivent, pour cette, même souvent, c'est la présidence, la femme du président, qui envoie des quatre pour certaines cérémonies. Or, beaucoup sont heureux d'aller à cette cérémonie-là parce qu'ils sont aux côtés de madame la présidente. Et là, des photos sont faites et on vient les agrandir dans la maison. Par le regard de Dieu, mon patron, il me connaît. Quand ça arrive à sa secrétaire, ça là, tu ne donnes pas sa badi. Ce milieu, lui, ne le fréquente pas. C'est le pasteur, lui, là. Il y a un autre qui est prophète. Mais entre nous deux, on considère plus le pasteur que le prophète. Frère, sœur, je dis ces choses, ça fait rire, c'est vrai. Mais c'est le temps où nous devons pouvoir. Frère, supposons que j'accepte d'aller dans ce milieu et puis quelqu'un qui me connaît me trouve dans ce milieu-là où ces choses sales se font. Souvent, il y a des langages que j'attire dans ce milieu qui sont très, très, très désagréables.
désolant. C'est vrai. Moi, on m'a dit une fois que je suis malade, parce que j'ai une seule femme. J'étais là en réunion, puis les gens, ils parlent de femmes, moi, je ne m'étais pas. Et puis, et mon père m'a dit, tu as quand même des femmes. Moi, j'ai une seule femme. Et puis, l'un des représentants de la présence que je connais bien, l'avocat, dit, DG, il faut que tu prennes ton gars là, il faut le soigner. Il est malade. Et nous, on ne peut pas avoir droit à une seule femme. Il dit, mais moi, j'ai choisi d'avoir une femme. Je suis un chrétien. J'ai choisi d'avoir une seule femme. Lui, il a dit, lui, là, chez eux, là, ils ont des médicaments, il ne peut pas avoir droit à une seule femme. Donc, on ne dit jamais, comment va ta femme? On dit, comment vont tes femmes? Ce qui veut dire que toi qui l'as épousé là, toi femme là, sache que tu n'es pas la seule. Même si tu es à la maison, on te voit, mais sache que tu en as dehors. Donc, tu n'es pas seul. À cause des médicaments qu'ils ont. Mais nous devons en avoir que un et un. Et toujours une et une. Et les femmes, un et un. Toujours un et un. Donc je poursuis. Le temps passe vite. Hein. Il y avait encore toute une suite de choses. En d'autres termes, tout ce que vous faites, ou tout ce que vous dites, ou tout acte que vous posez, ne le faites pas si vous ne voulez pas qu'on vous trouve dans cette position lorsque Jésus viendra. Je le reprends pour nous. Tout acte que vous posez, que moi-même je pose, toute parole que je dis ou que vous dites, ne le faites pas si vous ne voulez pas qu'on vous trouve dans cette position lorsque Jésus viendra. Si seulement nous pouvions faire cela, je suis certain que nous exercerions une grande influence sur nos collaborateurs. Si nous pouvons faire cela, en tout temps et en tout lieu, nous allons exercer une grande influence sur ceux qui sont autour de nous. C'est vrai qu'ici, on parle de collaborateurs, même les membres de nos familles. Tout le monde n'a pas cru, même les membres de nos villages. Même les enfants. Nous allons exercer une faute. C'est pour ça qu'il y a une parole que le frère Isaac me dit qui me plaît bien. Il y a un monsieur qui ne dit que la vérité. Il ne dit que ce qu'il voit. Ce qu'il n'a pas vu là, il ne dit pas. Et un jour, on voulait le prendre au piège. Alors, il y a une fête, les gens doivent venir et ils ont pris le bœuf, ils l'ont mis à genoux, ils l'ont attaché, ils l'ont fait coucher, ils ont pris le couteau. Il dit, bon, tu vas là, il faut dire aux gens là que On a tué le bœuf. Le bœuf a couché. Ils ont le couteau. Donc, il est passé. On dit, faites la commission. Dès qu'il est parti, ils ont lâché le bœuf. On pense que cette fois-ci-là, on va la voir. Quand la réunion arrive, on lui dit, ah, tu l'as intervenu, oui. Mais, et la fête. Et le bœuf, ils l'ont tué déjà. Il dit, quand je venais, je les ai vus avec le bœuf. Ils ont mis le bœuf à terre, ils avaient le couteau en main, mais je ne l'ai pas vu égorger. On n'a pas égorgé le bœuf devant moi. Donc, je ne peux pas vous dire que le bœuf a été tué ou pas, mais je l'ai vu, ils l'ont mis à terre et le couteau en main. Ils m'ont demandé de vous le dire, qu'ils sont en train de le tuer, mais ils ne l'ont pas tué devant moi pour que je vous dise qu'il est mort qu'on l'a tué. Quand les gens sont arrivés, on dit, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, ah, voilà ce qu'il a dit, mais ce monsieur-là, on ne pourra jamais l'attraper. Hein. Ce monsieur, on ne pourra jamais l'attraper. Frère, dites ce que vous avez vu. Amen. Uniquement ce que vous avez vu. Amen. Ne dites pas ce que vous n'avez pas vu. C'est pour ça qu'il est toujours bon. Moi, vous me connaissez. Hein. Si vous me dites une chose, quand il doit parler, je dis votre nom. Il ne dit pas c'est moi. Hein. Il dit c'est lui qui a dit. C'est toi qui dois venir répondre. Ou bien, j'aime bien que la personne même dise ce qu'il a dit. Parce que ça pose moins de problèmes. Tout à l'heure, vous voyez. Moi, j'avais mal compris Léon. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès pour qu'il puisse lui-même relater le fait pour nous tous. Et ça m'a corrigé. C'était pour ça. C'est fait exprès. Il m'a corrigé. Les deux ont divorcé, mais Anamia, pas se faisant des histoires,
comme c'était très tendu. Effectivement, il a posé la question à l'homme, raconte-moi un peu votre début. Comment ça s'est passé au début? Et il s'est vu complètement à son début avec sa femme et tout, comment ils se sont rencontrés, quelle joie ça a suscité et tout. Mais plus tard, c'est le temps. C'est le temps qui gère la situation, frère. C'est pour ça qu'on dit le mariage, ce n'est pas au début. Hein. C'est toute une vie. Ce n'est pas le jour de la fête. C'est toute une vie. C'est la suite qui va montrer si vous êtes vraiment marié ou pas. Parce que marié veut dire être uni. On peut mettre le mot à parier. L'homme quitta son père, sa mère, s'attacha à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Donc les deux doivent être unis, fermes. Mais est-ce que c'est le début? L'union, c'est seulement le début? Mais c'est le jour seulement? Et mon frère Yapi pouvait dire, si c'est le cas, c'est que nous sommes tous nés en mariage. Parce que nous sommes tous nés après la cérémonie. Yapi, j'ai là des expressions. Et nous sommes tous nés après la cérémonie. Si le mariage, là, c'est le jour de la célébration, ça, nous sommes tous nés en mariage. Puisque le mariage a eu lieu ce jour-là, il n'y a plus de mariage. Or, le mariage, c'est toute une vie. Il y a un début et il y a une vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc ici, frère, prenons garde, faisons attention et marchons avec le Seigneur. Vous savez, il y a deux manières de faire toutes choses. C'est la bonne ou la mauvaise. Il y a deux manières de faire. Il y a deux manières de parler. Il y a deux manières d'agir. Ou vous agissez de la bonne manière, ou vous agissez de la mauvaise manière. Ou vous parlez de la bonne manière, ou vous parlez de la mauvaise manière. Un jour, j'ai placé le petit Joseph, c'est le frère maintenant qui parle, sur mes genoux. Et ça, j'espère que chacun de nous allons tirer une très bonne leçon. Parce que ça arrive souvent qu'on donne de mauvais conseils aux enfants. Alors, écoutons bien. J'ai placé le petit Joseph sur mes genoux et je lui ai dit, il a eu temps. Un petit garçon, lui, avait marché sur les orteils. Et lui et ce petit garçon se sont battus. Vous comprenez déjà, non? Un petit garçon a marché sur le pied de Joseph et Joseph s'est battu avec ce petit garçon. Je lui ai dit donc, Joseph, ne fais pas cela. Il a dit, papa. Il a fait telle chose. J'ai dit, mais peu importe ce qu'il a fait. Souviens-toi simplement, Joseph. Aimes-tu ton papa? Il a dit, oui, papa. Qui comprend ce que Frère Branham fait? Son fils s'est battu à un enfant à l'école. Il dit à son fils de ne plus le faire recommencer. Son fils dit, non, papa, voilà ce que l'autre enfant a fait. Il dit, mais quel que soit ce qu'il a fait là, tu ne dois plus recommencer. Alors, il lui demande, est-ce que tu aimes papa? Et il dit, oui, j'aime mon papa. Comme tu aimes ton papa, alors, tu vas savoir de quoi il est question pour que tu ne le fasses plus. J'ai dit, alors souviens-toi que les gens observent ta vie, sachant que tu es un fils d'un prédicateur. S'il le dit à son fils, nous devons le dire aussi à nos enfants. À nos petits-enfants. Parce qu'ils sont des fils et des filles d'un chrétien. Pas forcément d'un prédicateur, mais d'un chrétien. Nous sommes des chrétiens. Donc si on dit aux enfants de se conduire de manière à ce que notre témoignage ne soit pas terni, comment devons-nous nous conduire nous-mêmes? Parce qu'il dit à son fils de faire les choses de manière à ce que lui, en tant que prédicateur, son témoin ne soit pas terni. Donc, cela est applicable aussi à nous. Nous dirons à nos enfants, à nos petits-enfants, de faire de sorte que notre témoin ne soit pas terni. Et puis, si tu fais quelque chose de mal, alors ils diront, est-ce que ce prédicateur permet à son fils de faire une telle chose? Est-ce que nous autorisons à nos enfants de faire des choses comme ils le font? Tout dépend de l'éducation qu'on leur donne. Maintenant, on va prendre la Matthieu 5. Moi, je ramène toujours tout ici aux Écritures pour aider chacun de nous à faire quand vous rentrez chez vous, vous puissiez
Lis les Écritures parce que c'est ça qui est important. Dans Matthieu 5, je lirai pas de verset 39. Disons le verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'est ce que Joseph faisait. Le fils de frère, madame Joseph, c'est ce qu'il faisait. Œil pour œil, dent pour dent. On a fait une chose, il doit répliquer. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mail, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Bien-aimés frères, voilà ce que la Bible nous dit dans ce que sont deux de lire, dans le comportement que Joseph a eu, pour lequel son père le reprend. Est-ce que nous aussi, nous allons rendre, faire œil pour œil, dent pour dent? Non. Nous n'avons pas le droit de le faire. Et il y a un passage qui, moi, toujours me bloque dans la chose, c'est le 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter ou emprunter de toi. Souvent, on dit, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui te tend la main. S'il te tend la main, s'il est un indigent, là, on peut le lire dans Deutéronome 15, hein. Allons dans Deutéronome chapitre 15 pour le lire. On va lire Deutéronome 15, verset 7. Il y a des choses dedans que j'ai lues ce matin. Deutéronome 15. Pour nous aider. Peut-être verset 7. Voilà ce qui est écrit. S'il y a chez toi quelque indigent dans tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Que Dieu nous aide. Amen. Surtout à ces temps difficiles où on peut toujours t'insulter, mais quand on a un besoin, on va s'adresser à toi. Ne regardez pas aux injures qu'on vous adresse. Faites le bien que vous pouvez faire. Hein, Vincent? Vincent, tu as compris, hein? Fais le bien que tu dois faire. Dieu te récompensera. C'est lui qui va te récompenser. Il ne faut pas dire, celui-là fait ceci, fait cela, et maintenant qu'il a des besoins, il vient vers moi. Non. Fais ce que tu as fait en tant que chrétien. Le reste, Dieu s'en occupe. Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la septième année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne donne point, que ton cœur ne lui donne point ou à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux et dans toutes les entreprises. Amen. Ne le fais pas avec un cœur chagriné, sinon ça ne sert à rien de le faire. Amen. Si tu le fais avec un cœur chagriné, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu te bénisse. Or, Dieu veut te bénir. Comme Dieu veut te bénir, laisse-toi simplement faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est important aujourd'hui pour nos frères. Quand on parle d'influence là, c'est de ça qu'il est question. En faisant cela, tu vas influencer même celui qui a un mauvais comportement. Et j'ai envie de dire, nous ne sommes pas tous convertis. Et ça, c'est important de savoir que nous ne sommes pas tous convertis. Alors, ceux qui sont convertis doivent prouver qu'ils sont convertis pour amener ceux qui ne sont pas convertis à voir comment le converti se conduit. Et ça, c'est très important pour nous de le savoir. Et on va lire dans Luc 6, verset 29. Dans Luc
6, verset 29. J'aime ramener ce qui est dit dans les Écritures pour nous aider simplement à marcher comme se doit. J'ai lu le 29 et le verset 30. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ah oui. Vous savez, j'ai l'habitude de vous, je vous ai toujours parlé de l'autono, de ce qui s'est passé avec un des frères à l'église. Luc 6, vous prenez 29 et 30. Alors le tonneau, ce grand homme qui a construit Caterpillar dans la forme qu'on a aujourd'hui, pour parler comme ça, dans l'église, il avait trouvé un bon marché, il avait un frère qui avait les mêmes compétences, et il allait s'associer pour travailler avec lui sur un marché bien précis. Quand ils ont fini, et quand on leur a reversé, on a payé les charges, les frais, la facture, il y avait une question de faire le partage du bénéfice. C'est à cela qu'on connaît aussi les chrétiens, devant l'argent. Alors qu'est-ce qui va se passer? Un lésive va naître. L'autre veut prendre la grosse partie. Et il ne veut pas partager de la même manière que le tonneau. Au point où il était prêt à aller au tribunal avec l'affaire. Alors le tonneau lui a dit, nous sommes des frères. Je ne m'en irai pas au tribunal avec toi. Prends ce que tu veux et donne-moi ce que tu veux. Le frère était surpris. Non, prends ce que tu veux. Tout ce que tu me donnes, tu me donnes. Tu prends ce que tu veux. Il a fait le partage. Il a donné ce qu'il veut à le tonneau, le tonneau a pris. Et puis le temps a passé. Dieu t'y vengeance, frère. Notez bien, Dieu t'y vengeance de toute situation. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'autre ne va avoir un marché, l'autre aussi va avoir un marché. L'autre ne va travailler et il va récupérer tout ce qu'il a perdu avec l'autre. L'autre va exécuter son marché, il va perdre tout ce qu'il a pris à l'autonome. Il a tout perdu. Frère, c'est pour ça qu'il est important. Vous voyez le comportement que l'autre a eu? C'est une bonne influence à l'égard de l'autre, mais il n'a pas compris. L'autre a voulu l'influencer en tant que croyant. Frère, nous sommes des frères, n'allons pas au tribunal. C'est écrit dans 1 Corinthiens 6. Les païens ne doivent pas intervenir dans nos affaires. On doit aller, s'il y a des gens qui doivent intervenir, il y a des gens dans l'église qui doivent être assez sages pour nous aider. L'autre n'a même pas voulu qu'on aille devant l'église pour parler. Il dit, frère, c'est une affaire entre toi et moi. C'est une affaire d'argent. Prends ce que tu veux et donne-moi ce que tu veux me donner. Un point, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire à faire entre nous. Nous sommes des frères. Or, s'il avait compris ce que le tonneau voulait lui dire, il a compris, frère, j'ai compris ce que tu veux dire. Partageons équitablement. Dieu pourvoira à nos besoins. Mais il n'a pas compris. Et devant l'argent, beaucoup de personnes perdent le nord facilement. Et on a bien lu que la cupidité est une idolâtrie. L'amour de l'argent est une idolâtrie. Et c'est l'une des racines de tous les maux. C'est l'une des racines, comme l'est écrit dans 1 Timothée 6. C'est l'une des racines de tous les maux. Frères, gardons-nous de l'amour de l'argent. Je ne vous dis pas d'aller chercher, de ne pas chercher de l'argent. Hein. On en a besoin pour vivre. Mais que l'amour de l'argent ne domine pas sur nous. Au point de faire des histoires avec des gens. Vous pouvez même faire des affaires avec des gens. Ils vont vous prendre tout. Moi, je vous ai dit la fois dernière que une fois, j'avais eu un marché, mais j'étais dans une position où je ne pouvais pas traiter ce marché seul. Le faisant, je serais un délit d'initié sur le marché financier. Et j'ai appelé quelqu'un que je connais. J'ai traité le marché, je lui ai donné. J'ai dit, mais tu me donnes combien? Il ne m'a pas dit, je divise en deux pour toi. Avec toi, le bénéfice, il a dit, c'est 1 milliard de francs CFA. J'ai dit, c'est 1 milliard de francs CFA. Je te donne 27%. Il a dit, c'est bon. Prends les 75%. Tu me donnes 27%, c'est bon. 250 millions. Quand tu t'as été bien traité, que ça a été payé, il a disparu, il est parti à la chose, à Malabo. Il n'était plus joignable. Plus joignable.
Et puis la crise est venue. Non seulement il a perdu là-bas, mais ici aussi il a tout perdu, il a perdu plus de 2 milliards de francs CFA. Et quand il est arrivé, il est venu me voir pour que je donne un nouveau marché, et puis il va se rattraper. J'ai dit, mais j'ai plus de marché à te donner. Dans la position actuelle, je suis là. Je n'ai plus de marché. Non, il a une, quand on a des contrats à faire exécuter, il a une société avec laquelle il travaille, est-ce qu'on ne peut pas donner le marché à la société pour que lui, dans sa part, là, il puisse me... Il dit, bon, ce n'est pas moi qui décide, c'est mon patron qui décide. Envoie le dossier, je vais traiter ça, et puis je vais lui soumettre ça. Quand il va décider, je te dirai quelle est la suite. Malheureusement, le dossier a été rejeté. On va continuer. On a déjà fait 1 heure de temps. 1h26. Eh bien, nous savons qu'ils le font de toutes les façons. Toutefois, nous le savons. En tant que chrétiens, nous savons que nous essayons d'élever nos enfants correctement. Mais c'est une bonne chose que de garder cela devant nous, tout le temps. Ne prenez jamais cet autre chemin. En effet, tu vois, cela ne gâchera pas non seulement ta réputation, Joseph. Cela gâchera la réputation de ta mère. Ça gâchera la réputation de tes sœurs. Ça gâchera la réputation de ton père. Et ça portera atteinte à la cause de la famille que nous soutenons. Donc le comportement de nos enfants, voilà ce que ça peut entraîner sur nous. D'abord sur le père, sur la mère, sur les sœurs s'il y en a, sur les frères s'il y en a. Et si nous sommes des chrétiens, sur la cause que nous défendons, notre cause que nous défendons, c'est la cause biblique. Nous défendons que Christ est vivant et que Christ transforme. Alors, si nous ne donnons pas la possibilité aux enfants de vivre une vie de telle sorte que la cause que nous défendons soit maintenue, mais ils vont gâcher cette cause. Notre Seigneur nous a dit, et si nous sommes, si nous, on nous frappe sur une joue, présentons lui aussi l'autre. Bien sûr, pour commencer, c'est un peu dur pour un petit garçon d'un tempérament colérique de penser à de telles choses. Mais de toute façon, placez la chose devant lui. Amen. De toute façon, devant nos enfants, plaçons ce qui est biblique. Amen. Frère, nous ne sommes pas capables de placer les choses bibliquement devant les enfants si nous-mêmes ne vivons pas ça. Si tu vis ça, tu seras capable de le placer devant les enfants. Et alors, la cause que tu défends, l'enfant saura travailler à ce que cette cause soit défendue également. Je vous ai raconté cette histoire d'un enfant également, dont le père est pasteur et qui fréquentait une école dans laquelle il y avait un enfant qui était brut et il ne supporte pas les enfants des serviteurs de Dieu. Pour lui, je ne sais pas si ses parents à la maison ont le même comportement, mais il ne supporte pas que quelqu'un soit un chrétien dans son entourage. Et il y a un jeune enfant gringalé dont le père est pasteur. Et il a su que l'enfant là, son père est pasteur. Et il a toujours prouvé cet enfant. Et un jour, il a décidé d'aller frapper cet enfant sur la route. Alors que l'enfant partait à l'école, lui, il a quitté l'école, il est venu pour l'attendre sur le chemin. Il est plus grand que l'enfant, il est plus gros, il est plus grand de taille que cet enfant qui est maigrelé. Et quand ils se sont rencontrés, frère, apprenons nos enfants à marcher avec Dieu. Quand il s'approchait, l'enfant n'avait pas peur. Et une voix lui a dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Mais ça par mon esprit. Et au fur et à mesure qu'il se rapprochait, la parole, la voix se faisait entendre plus fortement chez l'enfant. Et quand il s'est approché, il veut passer l'enfant, l'autre l'a bloqué. L'a provoqué et lui a envoyé un bon coup. En fait, en réalité, le coup n'était qu'une caresse pour le petit gringalé. Et puis à un moment donné, l'autre a commencé à fuir. Il a détalé. Il arrive à l'école. L'enfant répond que personne n'a le droit de toucher cet enfant-là s'il veut subir ce qu'il a subi. Si vous voulez subir ce que moi j'ai subi là, ne touchez pas cet enfant-là. Moi, je lui ai donné un coup, mais il m'a giflé. Non, je n'ai jamais subi une gifle comme celle-là.
il a giflé, mais Dieu a pris sa vengeance. Amen. Dieu l'a défendu. Depuis ce jour, plus personne n'a touché à ce gringalet dans l'école parce que tout le monde l'a craint. Et pourtant, lui, le coup qu'il a reçu, c'est comme une caresse qu'il a reçue. Pourquoi? Dieu a amoindri le coup. Mais il a répliqué en défendant l'enfant pour que désormais là, on ne battraite plus cet enfant parce que sa famille est chrétienne. Frère, plaçons les choses bibliques devant nos enfants. Dieu les aidera. Devant les situations les plus complexes, Dieu prendra leur défense. Donc, vous voyez, je poursuis. Eh bien, ce jeune Ozias avait une si grande formation dès son bas âge que lorsqu'il a cédé au trône, il ne s'est point détourné ni à gauche ni à droite de ce qui était correct. Il y est resté fermement attaché. Il n'a jamais laissé la politique l'influencer d'aucune façon. Il était un homme déterminé à servir Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Ainsi, il a ignoré toutes ces choses. Et une autre chose que j'ai appréciée dans Ozias, c'est qu'il a ignoré la popularité ou les opinions populaires. Amen. Voilà un enfant qui a été éduqué, instruit par son père, par sa mère. Et quand il a pris la relève de son père, il y a une seule chose qui l'a intéressé, c'est comment plaire à Dieu. Ce n'est pas être populaire. Ce n'est pas ce qui se passe dans le royaume là que tout le monde apprécie. Ce n'est pas ça. Lui, son objectif, c'est que faire pour plaire à Dieu. Que faire pour faire la volonté de Dieu. Que faire pour plaire à Dieu. Que faire pour exécuter l'ordre de Dieu. Et il a réussi. Peu importe ce que n'importe qui d'autre pense, ou que c'était la tendance populaire de l'époque, il voulait servir Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Frère, je pense qu'aujourd'hui, pour tout croyant, regardez bien quand on regarde le monde. J'ai vu les orthodoxes la fois dernière qui défendaient complètement Poutine, disant que c'est le seul aujourd'hui qui se positionne comme quelqu'un qui veut marcher avec les choses de Dieu. Que quand on regarde tout l'Occident, tous, ils ont abandonné complètement. Il dit, regarde l'Amérique. L'Amérique n'a jamais été catholique avant. L'Amérique a été construite par les protestants. Mais aujourd'hui, ils sont plus bas que tout. C'est eux qui défendent l'homosexualité à corps et à cri. Et c'est eux qui créent tous les problèmes dans le monde. Ils sont devenus les gendarmes, et personne ne peut. Et ils viennent de voter une loi contre l'Afrique pour dire, ça c'est le Congrès américain qui a voté. S'il y a un pays africain qui va pour soutenir Poutine, ce pays va avoir affaire à l'Amérique. Mais frère, est-ce que c'est logique? Je ne fais pas de la politique. L'Ukraine a le pouvoir de pouvoir s'attacher à n'importe qui il veut. Mais nous, les Africains, on n'a pas le droit de choisir avec qui on veut coopérer. C'est comme moi, on veut me dire, toi, Badi, tu n'as pas le droit de faire ceci. Mais lui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Pourquoi? Que Dieu nous vienne en aide, hein, frère. Ce n'est pas de la politique, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, en tant que croyant, prenons position pour les choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Prenons position. Souvent, on ne comprend pas certaines choses. On n'a pas à se mêler de la politique. On n'en a pas besoin. Toute la politique est pourrie. Le monde est pourri. Ne pensez pas qu'il y aura quelque chose de meilleur après ça. C'est faux, frère. Il n'y a de vérité, il n'y aura de paix que quand Christ viendra sur la terre. Avant ça, il n'y aura pas de paix. Jusqu'à ce qu'on dit, quand on dit paix et sûreté, alors une ruine suivra. Mais pour l'instant là, il n'y aura pas de prospérité, de paix. Non, non, frère. Le monde va se tourner dans tout ce qu'on voit là jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Maintenant, à nous qui sommes dedans, de savoir de quelle la position que nous prenons. Et puis ne priez pas pour que ça s'arrête, ça ne s'arrêtera pas. Priez pour que vous marchiez bien. Amen.
Priez pour que vous puissiez plaire au Seigneur. Mais laissez les autres choses là. Le Seigneur sait pourquoi. Il a déjà dit dans la Bible, ça ne s'accomplit pas. Alors la Bible, ce n'est pas vrai. Il dit, vous avez des bruits de guerre. C'est pas ça. Il y a des tremblements de terre. Est-ce que vous allez prier pour que les tremblements de terre n'aient pas lieu? Non. Pour des bruits de guerre? Non, c'est décrit. Est-ce que vous priez pour que Sodome et Gomorrhe n'aient pas lieu maintenant? Non. Vous priez pour que le temps de Noé ne soit pas là? Non. Vous ne pouvez pas prier parce que c'est décrit. Que c'est comme ça le monde doit être. Donc, ce que nous devons faire, c'est de dire, nous devons être comme Abraham, qui n'est pas Sodome. Nous devons être hors. Même en étant là, on doit être hors, frère. De sorte qu'on nous voit comme des hommes, excusez-moi le terme, des oiseaux de mauvais plumage. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Nous, on ne peut pas être de même plumage qu'eux. En tant que croyants, nous devons porter le même habit. Amen. Être revêtus de la même chose pour marcher avec Christ. Amen. Laissons les autres. Ce qu'on doit faire, c'est de prier pour eux pour que ceux qui peuvent être sauvés soient sauvés. Amen. Si quelqu'un peut être sauvé, qu'on prie pour qu'il soit sauvé. Et vous voyez aujourd'hui comment les jeunes gens rentrent dans les sectes. Avant, quelqu'un qui appartient à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie, à tout, il rase les murs. Quelqu'un qui était homosexuel, il rasait les murs. Nous, à Très-Chine, on avait un là. Mais il ne peut pas paraître au milieu des hommes. Aujourd'hui, c'est eux qui ont le droit. Toi, tu ne peux pas parler d'homosexualité? On va te mettre en prison? Que tu ne permets pas à l'ONU d'accomplir sa mission. Quelle mission? La mission d'être contre Dieu? C'est ça. C'est une mission d'être contre Dieu. C'est pour ça que, frère, nous devons apprendre à nos enfants ce qui est biblique. Sachez qu'aujourd'hui, dans les écoles, tout ce qui est conçu comme programme scolaire, on introduit toujours l'homosexualité, la pédophilie dedans. Si les enfants ne sont pas instruits sur la parole de Dieu, ils peuvent partir facilement. Prions pour les enfants, instruisons-les, mettons devant eux ce qui est biblique, afin qu'ils ne se mêlent pas aux autres choses. Aujourd'hui même ici, il y a des écoles où souvent on appelle les enfants, on les fait passer devant les psychologues pour dire est-ce que les parents, vos parents ne vous maltraitent pas, les parents ne font pas ceci, les parents ne font pas cela. Est-ce que... On en a fait à ma petite fille. Heureusement qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle leur a dit, chez moi, la maison, je suis en paix. C'est quand je mets pied dans votre école, je suis troublé. Chez moi, la maison, là, quand elle quitte la maison, je suis en paix. Mais c'est quand je mets pied dans votre école, là, que je suis troublé, que j'ai des problèmes. Mais à la maison, là, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, nous sommes tranquilles. Mais c'est ici, là, qu'on a des problèmes. Pour finir, on a dit, le psychologue a dit, mais l'enfant n'a pas de problème. Apprenons-le à marcher avec Dieu. Apprenons-le comment il faut plaire à Dieu. Frère, c'est important. Ce que Frère Manon a dit à Joseph, tous les enfants, vous savez, souvent, nos enfants vont à l'école, on les frappe. Il y a souvent les mamans qui disent, mais toi là, c'est pas la même nourriture, c'est dans laquelle ils mangent là-bas. Faut te défendre. Prions pour que Dieu défende les enfants. Prions pour que Dieu défende les enfants. Parce que c'est vrai, nous tous, on était à l'école, on a vu comment ça s'est passé. On a été plus ou moins confrontés à des problèmes quand on était enfant. On n'avait pas de parents pour nous dire comment il faut. Donc, on était obligés de nous battre, de nous défendre. Il nous faut de tels hommes à la chair. Il faut de tels hommes comme Ozias à la chair. Des hommes qui ne se tourneront pas vers des opinions populaires, ni vers la popularité, mais des hommes qui s'en tiendront fermement à la parole, sans s'en détourner ni à gauche ni à droite. Aujourd'hui, on a très peu d'hommes capables de tenir la vérité devant le peuple de Dieu. On se rend compte que beaucoup de personnes sont plus attachées au bien matériel. Au bien matériel. Même au milieu de nous, dans ce message-là, beaucoup d'églises, je n'ai pas peur de dire, notre sœur, elle est en Suisse, mais elle subit la même chose. Comme son mari est bien payé, alors on lui a donné l'aide de diacre, l'aide de trésor de l'église. Comme ça, si ça ne va pas, il va mettre l'argent dedans. Moi, il y avait un frère à qui j'avais parlé avant. Bon, maintenant, il est venu, il est reparti, il fait la politique. Mais
Comme il était professeur d'université, ça lui en a donné la caisse de l'église pour qu'il gère. Comme ça, ça ne va pas, bon, il va mettre beaucoup dedans. Il y a même un cas où on a dit aux gens, votre pasteur là, vous ne voulez pas prendre soin de lui. Bon, il est parti, hein, là-bas, là, il est parti, hein, ils sont en train de prendre soin de lui. Si vous n'achetez pas une voiture pour qu'il vienne, vous n'achetez pas ceci, ben, il ne va pas venir. Mais il n'a qu'à rester là-bas. Pour ceux qui ont connu le message en Côte d'Ivoire avant, au début, on ne nous a même pas parlé de l'argent. On n'a même pas parlé de la dîme. C'était un tabou. Je vous ai dit une fois, on a fait un voyage, long voyage, quand on arrivait, on n'avait que 100 francs dans nos poches. Parce qu'on paie le camion nous-mêmes. On parlait de notre voiture. On n'achetait pas de voiture pour quelqu'un. On partait dans notre voiture. Moi, je donnais ma voiture et je partais au travail en bus. Quand je vais arriver là, je donne ma voiture et je prends le bus pour aller au travail avec ma femme. Une année, j'avais ma Passat, ils sont venus, ils ont cassé la voiture. Carrément, ils sont venus la déposer ici. Je l'ai réparé, je l'ai vendu. Je l'ai réparé, je l'ai vendu. Le moteur est cassé. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est combien qui rentrent. Combien qui rentrent. Combien qui rentrent. Frère, cessons de construire des maisons lambrisées avec l'argent des enfants de Dieu. Cessons de nous engraisser avec l'argent des enfants de Dieu. Cessons ça. Que l'argent serve pour l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas que vous devez manger, vous devez vivre de pain sec et d'eau, mais cessez de plumer ceux qui font un effort pour payer. Cessez. Dieu, en commissionnant Josué, a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés frères, arrêtons-nous un peu ici. En d'autres termes, si nous faisons comme Josué, le résultat sera le même. Parce que dans les conditions identiques, Dieu ne peut pas faire autrement. Je vais lire avec vous dans Jean 7, 45 à 46. Jean 7, 45, 46. Je prends quelques passages pour le lire un peu. Jean chapitre 7, verset 45 au verset 46. Ainsi les justiciers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur demandaient, leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les yeux répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous allez me demander, mais quel est le lien entre ce qu'on a lu ici et ce que je lis là? Il y a un lien, je vais vous le montrer tout de suite. Frère, celui qui a parlé ici, là, c'est qui? C'est Jésus. On a décidé d'aller le prendre pour le mettre en prison. Et c'est des gens qui sont partis. Mais à son langage, ils ont compris qu'il ne peut pas. Il a eu une forte influence sur eux. La parole qu'il a prononcée les a tellement influencés qu'ils n'ont pu rien faire. Ils sont partis dire, mais dès la suite, les faisons leur répliquaient, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Aujourd'hui, frère, nous devons nous conduire de manière à ce qu'on ne puisse rien nous reprocher. Quand on marche, on dit, ça c'est incroyant. Mais cela n'est possible que nous vivons cette parole-là, nous la mettons jour et nuit pour la connaître, pour marcher avec. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu peux l'enseigner à ta maison? Comment tu peux l'enseigner à tes enfants? Et vous qui ne tenez pas les réunions de prière chez vous, là, tenez les réunions de prière à la maison, hein? Vous qui ne tenez pas des réunions de prière chez vous, là, ayez un culte de maison. Ayez des cultes de maison pour prier avec les enfants, pour leur apprendre à chanter, pour leur apprendre à lire la Bible, pour qu'ils retiennent les versets bibliques, qu'ils sachent
Ne pensez pas qu'il ne peut pas retenir, c'est faux. Quel que soit leur âge, allez-y avec eux, vous allez voir. Plus tard, ça va les aider. Même si aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont trop jeunes pour se retenir, plus tard, cela va les aider. Ça sera très utile pour eux. Et ça sera aussi utile pour vous. Parce que quand ils vont commencer à observer les choses de Dieu, ça va vous faciliter la tâche. Non seulement, mais vous influencez quelqu'un de votre manière de, même de marcher. Nous influençons les hommes avec notre manière de marcher, notre manière de nous conduire, nous influençons les hommes. Et c'est pour ça que ce que le Seigneur a fait, ça a tellement influencé ces huissiers-là qui ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors on leur demande, est-ce que vous avez été séduit aussi? Vous savez, est-ce que vous avez été séduit? Y a-t-il quelqu'un des chefs, il lit le verset 18, le verset 48, y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine, tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Mais il y a un qui est sorti de là. Il n'est pas prophète comme les autres, il n'y en a pas, mais il y a un qui est sorti de là. C'est le Galiléen. Il a été, vous voyez comment Nicodème a été, il a été tellement influencé. Quand il a rencontré le Seigneur qui lui a parlé, il a été tellement influencé qu'il a compris qu'il n'est pas comme les autres. Qu'il n'est pas comme les autres, qu'il est différent. Allez, peut prendre position pour lui. Il dit, est-ce que notre loi nous permet de juger ou de condamner quelqu'un avant même de l'avoir entendu, ou qu'on sache ce qu'il a fait? Vous l'avez entendu? Vous l'avez écouté? Vous l'avez interrogé? Et vous voulez le condamner? Et voilà souvent ce que nous faisons, frère. Souvent, nous prononçons des condamnations sur des gens sans savoir même la chose, même fondamentalement. Et beaucoup de chrétiens font ça. Ils condamnent leurs frères, ils condamnent leurs sœurs, sans même savoir pourquoi telle personne a posé tel acte, pourquoi elle a fait ça. Allez-y vers et parlez pour savoir de quoi la question. Ainsi, j'apprécie donc cette position. Causia sa prise, sa détermination. La première chose qu'il s'est mis à faire, c'était de réparer la maison de l'Éternel et de construire les endroits qui avaient été détruits. Ensuite, il est allé combattre l'ennemi. Après avoir prouvé à Dieu qu'il est sincère. Voilà un mot sur lequel je suis resté longtemps. La sincérité. Aujourd'hui, voilà ce qui manque à beaucoup de croyants. Un cœur honnête et bon. Comme le Seigneur pouvait le dire dans Matthieu 13. Un cœur honnête et bon. Combien sont ceux qui ont un cœur honnête et bon aujourd'hui? Qui font les choses selon le Saint-Esprit. Qui font les choses selon la parole de Dieu. Ici, frère, le temps est venu où la sincérité doit être de mise au milieu de nous. Dans votre vie, dans vos foyers, soyez sincères. S'il n'y a pas de sincérité, il ne peut pas avoir une continuité totale et entière devant Dieu. Les gens ne sont pas sincères. S'ils ne sont pas sincères, là, c'est le mensonge qui va prendre la place. C'est la fausseté qui prend la place. Soyons sincères. Sinon, on est hypocrite. Sinon, vous allez agir de façon hypocrite. Vous allez manifester des comportements hypocrites. Soyez sincères. Vivez une vie correcte. Marchez avec Dieu. Ici, il est écrit que sa position, voilà, il était décidé de prendre, aller combattre et tout. Et il voulait montrer à Dieu qu'il est sincère. Il était décidé de prendre la position correcte sans se soucier de son entourage. Ses conseillers pouvaient faire pour l'influencer sur le plan politique du royaume. Mais il ne pouvait pas accepter cela. Il voulait la volonté de Dieu et rien d'autre. Il veut montrer à Dieu qu'il est sincère. Et tout ce qu'il veut faire là, c'est uniquement plaire à Dieu. Frère, quand on a lu
on a parlé de ceux qui ne furent pas agréables à Dieu. Il y en a qui furent agréables à Dieu. On a vu Enoch qui a été enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas seul. Celui qui m'envoyait toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui est agréable à ce qui lui est agréable. Aujourd'hui, frère, si nous voulons que le Seigneur soit toujours avec nous, apprenons à faire ce qui lui est agréable. Et cela ne peut pas se faire sans sincérité. Dieu regarde si on est sincère dans ce qu'on fait ou pas. Dieu nous observe. Il nous regarde. Est-ce que nous sommes sincères dans ce que nous faisons? Dans ce que nous disons, est-ce que nous sommes sincères? Ou nous sommes hypocrites? Tu vas nous condamner, frère, un matin. Tu vas nous surprendre un matin. N'attendez pas au jour où vous êtes de mort pour chercher à réparer les choses. Mettez de l'ordre dans votre vie maintenant. Mettez de l'ordre partout. Soyez sincères. Vous savez, il y a un frère avec sa femme. Il y avait une situation. C'est au jour où le frère devait mourir que sa femme va révéler, va ramener ça. Et ils en ont parlé aujourd'hui, le lendemain matin, le frère est décédé. Ils en ont parlé ce soir, et le lendemain matin, son mari est décédé. Mais pendant tout le temps, et je peux vous dire, j'étais dans cette église, pendant des années, la femme ne venait pas à l'église. Ce matin-là, je devais partir, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça je vous le dis, c'est ce qu'elle a dit. Il y a des témoins, je ne veux pas citer le nom de l'église. La voix lui dit, tu vas à l'église aujourd'hui. Et puis, elle vient à l'église. Moi, j'arrive, on me donne la chaise vide de prêcher. Et puis, je rentre dans le bureau du frère pour s'asseoir. Et puis, elle vient nous voir. Et c'est là qu'elle va commencer à dire, pendant un certain temps, depuis un certain temps, elle ne vient pas à l'église. Le frère aussi sait qu'elle ne vient pas à l'église. Mais ce matin, la voix m'a dit de venir à l'église. Et je suis malade, voilà. Puis, on a prié. Mais le problème là, elle n'a jamais ouvert son cœur pour en parler. Son mari était malade. Elle n'a jamais ouvert son cœur pour en parler. Alors le frère qui est parti pour prier pour elle, il dit, mais si vous avez des choses à mettre en ordre, c'est maintenant qu'il faut les mettre en ordre. C'est ça, c'est ce jour-là qu'elle a ouvert sa bouche. Et puis son mari a dit, ma soeur, bon, elle a dit le nom de sa femme, c'est maintenant que tu en parles. C'est maintenant que tu en parles. Et puis, bon, à trois, ils ont mis de l'eau dans ça, ils ont fini de prier, le frère est rentré chez lui, le lendemain matin, l'autre est parti. Mais si ce n'est pas le cas, supposons que le frère n'était pas parti pour régler ça, avec qui il va régler ça demain? Lui, il est parti. Il n'a même pas conscience qu'il y a un problème. Avec qui tu aurais réglé ça, frère? Frère et soeur, mettez de l'ordre maintenant. Faites tout ce qui est agréable à Dieu. Soyez sincères. Même dans le foyer, soyez sincères. C'est important. C'est très important, frère. Maintenant, si quelqu'un veut jouer à la comédie, joue à la comédie. Mais la sincérité, là, c'est devant Dieu. J'ai lu quelque chose de plus et puis on va arrêter parce que c'est ça qu'il est déjà midi. Pour dire qu'on a passé déjà 2 heures. C'est le genre d'homme qu'il nous faut. C'est le genre de mère qu'il nous faut. Une femme, une mère dans ce jour qui prendra la position correcte et fera ce qui est juste sans se soucier de ce que font les autres femmes. Elle fera ce qui est juste. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Nous avons besoin de marcher correctement devant le Seigneur. Et bien, lorsque certaines de ces vedettes de cinéma, lorsqu'elles font une chose comme cela, lorsqu'une femme d'une certaine influence le fait, alors cela influence le reste de la nation qui chercha à faire la même chose. C'est vrai. Quand on a permis aux femmes pentecôtistes de se couper les cheveux à cause d'un certain prédicateur qui a laissé tomber les choses à la chair, alors les autres femmes ont dit, « Eh bien, la femme d'un tel fait cela. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire aussi ?» C'est l'influence que vous subissez là-dessus.
Aujourd'hui, quelqu'un dira, et là je m'adresse à Aimée, la soeur Aimée, si tu fais une chose, il ne faut pas être une femme qui influence les autres de la mauvaise manière. Parce que nous sommes tous observés. Et c'est vrai, nous devons savoir que nous sommes tous observés et que la manière de vivre peut influencer quelqu'un d'autre. Ta manière de faire peut influencer quelqu'un d'autre. Dans certaines églises, le comportement des femmes, du responsable de l'église, influence les autres. La manière de s'habiller, de se coiffer, sont très très facilement imitées. Si son mari qui prêche là, il ne dit rien, c'est que c'est bon pour tout le monde. Les hommes ne vont pas chercher à dire, prions pour voir est-ce que ce qu'elle fait là, Dieu est dedans. Sœur, s'il vous plaît, cherchez à plaire à Dieu. De sorte que si quelqu'un a une influence qui n'est pas correcte, approchez-vous de lui et parlez-lui après que vous avez prié Dieu et qu'il vous ait dit ce que c'est. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Parlons-nous honnêtement, correctement. Soyons sincères, parlons-nous. Adressons-nous franchement sur la base des Écritures les choses qui nous achoppent. Ne laissons pas des pieds d'achoppement sur le chemin de quelqu'un. Amen. Ne laissons pas de pieds d'achoppement sur le chemin de quelqu'un. Et ne soyons pas nous-mêmes une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va poursuivre le reste de l'après-midi. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses dont on peut parler. Mais j'insiste, soyez sincères, parce que là où il n'y a pas de sincérité, rien ne peut progresser. Si nous voulons que les choses progressent dans notre vie, au milieu de nous, soyons sincères les uns envers les autres. Ne soyons pas hypocrites. Que Dieu nous bénisse.